qui s'agit de Ecomaker. Il se retrouve toujours entre les deux épreuves. Pour la fois d'avant, j'avais été éliminé dans ce gros handicap 1600 mètres. Là, je me retrouve en bas de la première. Bon, bah, c'est évidemment plus difficile, mais le cheval a gardé beaucoup de fraîcheur. On se retrouve enfin sur une piste en gazon qu'il préfère de loin à la fibrée. Donc, il va faire mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Comme on nous promet de la pluie, ça ne peut que nous avantager. Donc, ça lui donne un vrai espoir de participer à l'arrivée, d'une manière prétentieuse ou pas, mais il est au top. Ça, bien sûr, les numéros à la corde vont compter là-dedans, mais le cheval est pile sur sa distance. Si on a du terrain souple, on a tous les facteurs pour nous, avec un jockey qu'il connaît par cœur.